Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur et plaisir de nous retrouver en présence de M. Alice Bumba, directeur du commerce intérieur et de la production, près direction générale du commerce au Gabon. M. Alice Bumba, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. L'univers du commerce intérieur, l'univers du commerce en général, n'est pas un univers appréhendable, au moins qui est facilement appréhendé par le commun des usagers. Et je crois qu'il y a un clivage entre le commerce intérieur et le commerce extérieur. En ce qui vous concerne, c'est le commerce intérieur. Pouvez-vous déjà, avant de commencer dans le vif du sujet, vous présenter afin que ceux qui nous écoutent aient une idée plus précise de leur interlocuteur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis effectivement M. Alice Bumba. Je suis actuellement directeur du commerce intérieur de la production, comme le dit ma carte de visite que je vous ai remise. Je suis nommé depuis le 29 janvier. J'ai pris les fonctions le 16 février, donc ça fait sensiblement 3 mois et demi. Donc c'est notre ministre Gabriel Tchango qui a bien voulu peut-être regarder ce que nous faisons, me mettre à ce poste pour remplacer celui que j'appellerai inamovible dans la maison, M. Vienna Georges Mouda, l'actuel directeur général du commerce. Très bien. Donc c'est depuis le 16 février, comme je disais tantôt, que nous sommes là en fonction. Directeur du commerce intérieur de la production. Jargon de la maison, c'est l'ESIC. Très très bien. Alors, pouvez-vous nous présenter de manière générale votre service avant, peut-être qu'on entre dans des dimensions un peu plus spécifiques. Bon, ce n'est pas un service, mais ma direction. Je suis directeur. Oui. À l'intérieur de cette direction, il y a 2 services. Ça, c'est sur la base de l'ancien texte organique, donc le 1574, qui donnait droit à l'action du commerce intérieur de la production du service, dont le service de l'alimentation et du contentieux, et le second, le service de la promotion commerciale de la production. Bon, mes chefs de service, dont le premier cité, c'est Mme Émilie Andia, et le second, M. Djimba Mikoma. Et mon adjoint, parce que c'est directeur adjoint et chef de service, mon adjoint c'est M. Edgar Zoumplayan. D'accord. Donc, M. Bumba, qu'est-ce que le commerce intérieur? Bon, le commerce intérieur, comme je disais, ce sont ces 2 services. À l'opposé du commerce extérieur, le commerce intérieur s'occupe de tout ce qu'il y a comme activité commerciale intra-mondialiste à l'intérieur du territoire national. D'accord. Voilà le commerce intérieur. En quoi consiste, dans le cadre de votre activité, en quoi consiste par exemple le contentieux? Le contentieux, c'est lorsque nous envoyons nos équipes sur le terrain. Aujourd'hui, bon, le mot terrain commence à devoir devenir caduc pour nous-mêmes et pour nos agents. Oui. C'est aujourd'hui la surveillance de l'activité commerciale. D'accord. Donc, lorsque nous envoyons vers les opérateurs pour nos missions régaliennes, à l'issue de ces entretiens avec les opérateurs, ils sont convoqués sur la base d'un procès-verbal et tous les greffes qui sont faits, ils arrivent au contentieux. Donc c'est ce service, ce bureau qui vide, qui se charge de régler les problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs économiques que nos agents ont pris sur le terrain. On peut donc considérer que là, vous exercez une activité de police. Oui. Police commerciale. Police commerciale dans une bonne mesure, oui, parce que le mot police dans des pays comme le nôtre, on s'en connoté. Voilà. D'accord. On pense à la coercition alors que ce n'est pas ça. Et c'est l'occasion pour moi de profiter du contexte, de cette problématique du contentieux, pour vous poser une question simple, pour que l'usager ou le commun des Gabonais, dont la réponse intéresserait. Est-ce que le commerçant gabonais, pris dans le sens générique, est un commerçant citoyen? Est-ce qu'il a une propension naturelle à respecter la réglementation? Écoutez, c'est le propre de beaucoup de nos pays, dans la sous-région. Ce qui est de la Direction générale du commerce, du ministère du commerce, d'abord, comme je disais, dans le ministre de l'autre, M. Gabriel Tchango, le directeur général, M. Vienna Georges Mouda, le constat a été fait. Déjà, nous remercions le chef d'État de nous avoir permis de repartir de reprendre nos activités régaliennes. Et à ce sujet, pour répondre plus spécifiquement à votre question, le commerçant gabonais, c'est un commerçant comme tout autre. Nous sommes en ce moment sur le terrain, nous avons fait des missions à l'intérieur du pays,
Les dernières, c'était Makoku, enfin, pour se louer Vigno et le Mouenoué, conduite par M. Bakemi Moulakia, oui. Donc avec le directeur général et notre ambassadeur. Et la seconde équipe a été conduite par M. Agamboué, qui est SG plein du ministère, avec le DGA2 et DACIP, donc c'est le directeur de commerce adjoint intérieur de la production. Donc, ils ont fait, cette équipe, autant qu'on a fait, Manyanga et Lamoudé, avec des objectifs bien précis. C'est-à-dire qu'au-delà de sensibiliser, qui est le rôle du ministère du Commerce, donc la direction du commerce ou la direction du commerce de la production, mais il y a aussi le fait qu'on veut avoir un fichier des commerçants d'abonnés. C'est sur cette base, c'est-à-dire qu'après ce recensement, la direction générale du commerce sera capable de fournir aux impôts et à toutes les autres administrations demandeurs un fichier des commerçants d'abonnés. C'est les commerçants, c'est les citoyens qui participent à la société imposable. Ce sont des acteurs économiques qui, je dirais, dont l'action s'inscrit dans le cadre de l'intérêt économique. Bien sûr. Et donc, il est possible que dans l'exercice, il est quasi certain que dans l'exercice de leur vocation commerciale, je dirais, la recherche, la création de la valeur ajoutée, la création de partage de bénéfices, la recherche du profit, les place souvent dans une situation antagoniste avec l'intérêt général qui est parfois exprimé par la taxe ou par l'impôt. Dans le cadre donc je reprends par défaut ce terme, de la police commerciale ou de l'action de régulation, de contrôle, à quel type de droit, quel type de droit est exercé? C'est un droit pénal? C'est un droit de prud'homme? Quels sont les éléments de... Lorsqu'un commerçant n'est pas en règle, qu'est-ce qui se passe? Bien, si vous m'avez bien suivi, j'ai utilisé l'expression sensibilisation. Sensibilisation. Il n'y a pas que la police. Il ne faut pas que les opérateurs économiques... aient peur. Voilà. Il n'y a pas que la police. Il y a d'abord, nous avons le rôle de sensibiliser, oui, de former les opérateurs. C'était celui-là qui a été poursuivi par la mission qui est envoyée dans les départements en SQL. Nous sensibilisons là tous les opérateurs économiques. Pas que les commerçants. Pas que les commerçants. Les tous les opérateurs économiques. Le premier objectif que l'on a, c'est la sensibilisation. Et c'est au sorti de cette ambition, lorsqu'on se rend compte qu'il y a récidive, que nous sommes obligés de passer à la prise en compte. Autrement, la sensibilisation sur le respect, le respect de la réglementation, les normes en vigueur. Voilà. Tout à fait. C'est un pays de droit et on n'a pas le choix. Personne ne va échapper à la règle. Tout à fait. Il est vrai, sur la base des informations que vous avez fournies au départ, que vous venez de l'entrer en fonction. C'est récent. Mais cependant, sur la base des informations que vous avez trouvées, de l'héritage qu'on vous a transmis, pouvez-vous nous citer une action majeure qui a été posée par votre département, par votre direction, depuis, durant les trois dernières années? Ok, merci. C'est un héritage, comme vous dites, lourd mais intéressant. Lourd parce que celui que j'ai remplacé, l'actuel DG, c'est lancé la maison. Moi, je voudrais dire un amour. Okay. Donc, avec lui, déjà, d'ici que moi, sortant du cabinet, nous avions l'habitude, nous avons déjà l'habitude de travailler. Donc, ces trois dernières années, pour être précis, il n'y a pas qu'une seule action. On peut citer deux. La révision du process de surveillance des marchés commerciaux, c'est une action majeure. Le process de surveillance des marchés. C'est une surveillance des marchés. D'accord. Ou des activités commerciales. C'est ce qu'on appelait avant le contrôle. Non, c'est pas l'excellent de caduc pour nous. Il a procédé au vocabulaire. Et secondo, il y a l'interaction de l'accord commercial. C'est-à-dire que derrière la sensibilisation dont je parlais tantôt, il y a la carte commerçant qui est un outil. C'est comme une carte d'identité. Du commerce. Un individu. Yes, sir. Voilà. Et c'est une carte qui donne beaucoup d'avantages aux opérateurs économiques. Très bien. Dans la carte de commerçant, il y a tous les numéros, registre de commerce, contribuables, il y a toutes les informations relatives à l'identité d'entreprise. C'est des informations que nous vérifions au préalable. C'est les équipes qui se professionnalisent au fur et à mesure. Et nous, sur la base des fiches circuits que les opérateurs produisent, oui, voilà, nous voyons effectivement qui est en règle déjà par cet instant et qui ne l'est pas. Ceux qui ne sont pas en règle, nous les renvoyons vers, à l'époque, le CDE, pour faire établir le fiche circuit. Vous parlez du CDE à l'époque? Bien sûr, bon, on ne va pas y entrer. Très bien. On ne va pas y entrer. Et donc, à cette époque-là, nous les renvoyons vers le CDE. Oui.
l'image d'entreprise pour faire un fichier et revenir vers nous avec tous les éléments. Et au niveau de la géolocalisation, est-ce que vous vous contentez simplement du fameux plan qu'on fait sur un format A4 ou bien vous envoyez des gens sur le terrain localiser physiquement le commerçant? C'est cela. Si je disais en amont que nous revenons à l'intérieur, on avait commencé par le Togo, le Togo, et il n'y a pas longtemps, donc on a couvert le terrain par le Togo et Lindo, le moins le Togo et Lindo, il n'y a pas. C'est parce que nous voulons être au contact des autorités. Ce sont des partenaires. C'est ça. Ce sont des partenaires, bien sûr. Monsieur Mumba, comment voyez-vous l'avenir dans, nous, quand on dit l'expression « votre service », nous savons que c'est une direction. Mais cette interview s'inscrit dans le cadre de la posture de l'État comme pourvoyeur d'un service public. C'est dans ce sens, puisque ça s'adresse aux usagers. Bien sûr. C'est pour ça que votre direction étant au service de l'usager. Donc, ne me prenez pas, effectivement, sur la route. Donc, comment voyez-vous l'avenir de l'ensemble de votre service dans le contexte de l'émergence? Écoutez, ce n'est pas le ministère du Commerce qui va diriger la règle. L'émergence, c'est un qualificatif à l'intérieur duquel se trouve beaucoup de choses. Il n'est pas important pour nous rappeler d'abord le service, d'abord non. Mais à l'intérieur de ces piliers, le ministère du Commerce se retrouve en pole position. En ce moment, aucun ministère, aucune administration ne peut faire sans l'émergence. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui a été, pas dicté, non, mais bien conçu, afin que les administrateurs ou les administratifs y entrent progressivement. Et puis bon, au fur et à mesure, la machine prendra son chemin. Et puis bon, nous y arriverons. Mais actuellement, ce n'est pas l'administration du Commerce qui peut se plaindre de l'émergence, je ne pense pas. Encore moins la disciple, directeur que je suis. Alors, l'une des défaillances qui est souvent notée au niveau du service public, c'est une défaillance, la défaillance communicationnelle. Bien sûr. Communiquer sur ce qu'on fait, communiquer sur les services qu'on rend, communiquer sur notre identité pour qu'on n'ait pas peur de soi, bref, la communication. Et à ce sujet, quelles sont les formes de services et d'assistance les plus importantes que vous offrez aux usagers et vraiment que chaque usager doit savoir que voilà ce que je peux, voilà le type de service, le principal service que je peux, dont je peux bénéficier à la direction du commerce intérieur et de la production. Écoutez, monsieur, vous allez constater qu'il y a certaines épisodes que je viens de ramener. Oui. Je parlais tantôt de la sensibilisation. Oui. Tandis qu'au-delà de la sensibilisation, il y a le suivi et l'encadrement. Voilà les objectifs vraiment de façon générale que nous poursuivons, que nous offrons aux opérateurs et à tout opérateur économique. Est-ce que vous prenez un exemple d'action que vous, dont les opérateurs économiques bénéficient dans le cadre du suivi? Effectivement, dans le suivi, je disais tantôt qu'un opérateur économique n'est pas réel. Nous ne le sanctionnons pas directement. Oui. Nous l'invitons sur la base du procès verbal fait par nos équipes sur le terrain. Oui. Nous le convoquons vers nous, le contentieux le reçoit, et le renvoie par exemple vers le CME, comme je disais tantôt, pour se mettre en règle, afin de revenir. Ça, c'est déjà le suivi que nous nous offrons aux opérateurs économiques. Et la production, telle qu'elle est entendue dans le libellé de votre cahier de charge, vous êtes donc directeur du commerce extérieur et vous êtes directeur de la production. Il s'agit de toutes les formes de production, industrielles, de toutes les élevages, tout ce qui est supposé, tout ce qui est produit peut être vendu. Ce sont des actions transversales. D'accord. Vous avez, il n'y a pas longtemps, le ministère du Commerce était avec l'industrie. Voilà, donc... Ah oui, c'est ça. Voilà, à ce niveau, je me répète, c'est des actions transversales. La production à tous les niveaux, dans le territoire gabonais. Voilà. Donc tout ce qui est produit et qui va se retrouver dans le champ commercial tombe sur votre juridiction. C'est notre juridiction. Ministère du Commerce, Direction générale du Commerce, Direction du Commerce et de la production. D'accord. Tout ce qui a comme production, intramuros. Monsieur Mumba, nous arrivons à la cinquième question. Nous savons que nous avons posé des sous-questions pour essayer de voir les alentours, les contours, afin d'être mieux éclairé. La cinquième, c'est une question personnelle. Nous avons, en tant qu'acteur, en tant que citoyen, en tant que certainement père de famille, en tant que responsable, en tant que leader, vous êtes un élément du système Gabon. Et à cet effet, auriez-vous une contribution susceptible d'enrichir la boîte à idées de l'émergence
sur, dans le contexte de votre, de votre, de votre direction. Comme tous les autres jeunes cadres actuellement, vous avez dit père, je suis un produit du Gabon. L'État gabonais m'a formé. Je crois que sur la base des engagements des CEO que nous signons au sorti de la terminale, oui. Ben, il faut bien qu'à un moment donné, le jeune gabonais rende à son État ce qu'il lui a donné. Donc nous avons été formés, actuellement nous sommes en train de rendre le fruit de cette formation. Peu importe le système politique, je suis un cadre. Je suis appelé à servir pour le système. Ce que je peux dire principalement pour enrichir cette boîte à idées d'émergence, cette boîte à idées d'émergence, c'est qu'il faut plus de dynamisme. Il faut plus de communication, vous l'avez dit tantôt, et on voit bien sûr à la télé, par M. Limité, il faut communiquer. Plus l'usager a l'information ou reçoit l'information de ce qui le dirige ou le gère, mieux il se sent. Parce qu'au finish, on a l'impression que tout est caché, on vient voir ce que la loi, ce n'est pas le cas. Donc il faut de l'énergie. Il faut la nouvelle énergie. Il y a du monde en ce moment qui anime l'émergence, mais il faut le renforcer. Plus dynamisme, plus d'énergie. Et je crois que, comme je disais tantôt, le train, c'est au début, pour ça, attendre un peu, pour faire la mesure, le plan de forme. Monsieur Alice Bumba, nous vous remercions.